mettre cet ensemble. Il est pas trop stylé. Grave. Enfin bref, après ça, le mec a décidé de m'envoyer un message. Sérieux? Mais non, sais-tu? Ouais, t'as vu? Faut vraiment qu'il arrête de se faire des films, celui-là. Dire que si j'aime cet endroit, c'est parce qu'en temps normal, il est calme. J'ai vraiment du mal avec ce genre de fille. Enfin bon, heureusement, on se croisera jamais. Je vais juste finir ses devoirs, puis rentrer. Qu'est-ce qu'elle fout, au juste, Yuko? Elle saoule. Elle a pas lu mon message. Genre, il m'a encore envoyé un message? Mais non, j'y crois pas! Hé, hey, t'as pas une photo? Je dois avoir ça. Donne-moi 2 secondes. Il est quand même méga collant. Tiens, regarde, il a pas l'air trop chelou. Mais tellement! Enfin bon, c'est pas pire que l'autre, là. T'as trop raison. T'as vu? Mais ouais, de ouf. Oublie-les. Reste calme. Reste calme. Au fait, Nagatoro, j'y pense. Tu sais le livre dont tu parlais l'autre fois? Il est rangé où? Par, sur l'étagère du fond. Reste calme! Reste calme! Oh, ma gomme! Oh. Hein? Désolé! Eh ben, c'est quoi tout ça? De quoi? Fais voir! Tenez, regardez! Je promets que je te protégerai. Stylé. Franchement, ça claque. Reste calme. Reste calme. C'est tellement chelou. Waouh, c'est meilleur que Toupisse. Oh, arrête, t'insultes Toupisse là. Franchement, ça se fait pas. En plus, il est pas élastique lui. Balance pas des trucs comme ça. Yuko est au resto devant la gare. Ok, on y va! Tu fais quoi, Ayase? Tu viens pas? Plus tard. Attends, genre t'aimes ce truc? Au fait, à ce qui paraît, le mec de Yuka est beau gosse, mais j'aime vraiment... Sérieux? Allez, on se bouge, je veux voir ça. Moi aussi!
Moi, je suis en seconde, et toi, en première? Ouais. Dans ce cas, t'es mon senpai, pas vrai? Siegfried était sans l'ombre d'un doute un chevalier hors pair, bien qu'inapte à la société. Durant son périple, il fit la rencontre d'une belle guerrière venue du pays ennemi. Elle portait le nom d'Elisabeth. Avec elle, il défie le roi du mal. Mais alors qu'ils étaient sur le chemin du retour, ces derniers tombèrent dans une embuscade tendue par des soldats du royaume. Ils réussirent malgré tout à leur échapper de justesse. Siegfried était bien conscient que l'amour qu'il nourrissait pour Elisabeth était impossible. Cependant, il n'en prit nullement compte et décida qu'il la protégerait tout de même au péril de sa vie. Reste calme. Dis-moi si je me plante. Mais si j'ai bien compris, tu te projettes en Siegfried, c'est ça? Non, c'est pas du tout ça. Toi, le preux chevalier qui joue sans cesse de malchance, rencontre une magnifique guerrière dont il se rapproche petit à petit, ça crève les yeux. Non, pas du tout. Non, ça va, t'inquiète. Je disais pas du tout ça pour me moquer de ta créativité, senpai, j'aurais pas osé. Mais seulement... Toi et ton perso, vous vous ressemblez, en fait. Vous faites tous les deux un peu pitié, tu vois? On fait un peu pitié? Bah, ouais. Genre, tiens, mate cette scène-là, par exemple. Ma vie, elle n'a de sens que sur le champ de bataille. J'ai renoncé à vivre en femme. C'est absurde. Tu es tellement belle. Je me moque pas du tout. Je te jure, d'autant plus que Siegfried, c'est censé être toi, après tout. Et... du coup, en quoi ça fait pitié? Tu peux me dire? Ah, tu captes vraiment pas. Bon, on va refaire la scène ensemble. Hein? Par contre, j'ai jamais utilisé d'épée de ma vie, alors j'y vais avec les poings. Quoi? Je dois continuer. Je t'ai grillé à des kilomètres, t'es trop cramé. Mais t'as cru quoi? Que t'allais réussir à passer ta disquette de beau gosse? Faut arrêter de rêver, mon gars. Avec ta tête de puceau en plus, je te jure, tu me tues. Toi et lui, c'est carrément le jour et la nuit. Pourquoi tu détournes le regard, senpai? C'est pas très poli tout ça, tu crois pas? Sans déconner, tu pourrais au moins me regarder quand je te parle, non? Tu sais, senpai, je te trouve un peu... Non, pas un peu, très... Je te trouve très repoussant! Bah alors, qu'est-ce qu'il y a? Tu pleures? Non, Je ne... Arrête!
voulais, tu peux le garder. Désolée de t'avoir taquiné. À toutes, senpai. Une fille plus jeune que moi m'a fait pleurer. Une fille plus jeune que moi m'a fait pleurer. Bah alors, qu'est-ce qu'il y a? Tu pleures? Sans déconner, tu pourrais au moins me regarder quand je te parle. Je te trouve très repoussant. Cette nuit-là, sa voix moqueuse n'a cessé de me hanter. Je n'ai pas pu fermer l'œil de la nuit. Oh. Tiens, c'est ton mouchoir, je l'ai lavé. Ah bon? Mais pourtant, je te l'avais donné. Salut. Qu'est-ce que tu fais là? Y a personne d'autre que toi ici? Alors ça veut dire qu'on n'est que tous les deux? Senpai? Va-t'en si t'as rien d'autre à faire ici. Oh. Allez, senpai, tu vas pas faire ta mijaurée. Senpai, je peux prendre la pause pour toi si tu veux. C'est bon, c'est pas la peine. C'est pas vraiment le genre de truc que j'ai envie de dessiner, alors... Celle-là t'en dit quoi? Attends, je sais, on va y ajouter une petite pointe d'érotisme. Je suis persuadée que ça va te plaire. Mais ça va pas la tête! T'es folle! Tu fais quoi? C'est pas des manières pour une fille! Ah, et dis-moi, si je suis à poil, tu me dessines? Bon, puisque t'insistes... T'as gagné, c'est bon, je vais te dessiner. Alors, garde tes vêtements. T'es trop drôle, senpai. Alors garde tes vêtements, ah, tu me fais trop marrer. Faisons une petite pause. Senpai, tu sais que t'es vraiment chelou depuis tout à l'heure. Non, attends, me dis quand même pas que t'as encore rien dessiné. Non, il me faut du temps pour prendre des proportions. C'est pas évident pour moi. Vraiment pas. Je n'ai jamais regardé une fille en face. C'est la première fois. Senpai, fais tout ce que tu peux pour bien me dessiner. Et si t'y arrives, je t'offrirai une récompense. Et ce serait quoi comme récompense? C'est un secret! Non! Allez! En avant, senpai! En avant, senpai! Peu importe. Récompense ou pas, ça ne change rien. En avant. Ça fait longtemps que je dessine. Il suffit de rester calme. Et je pourrai la dessiner. Je peux y arriver! Oh, c'est pas mal du tout. Dis-moi, on dirait que t'as vraiment mis le paquet. Oui, on peut dire ça, en effet. Nickel, alors, comme promis, ta petite récompense. Ferme les yeux. Mais, pourquoi? Discute pas, fais-le.
Dis-moi quand même pourquoi avant. Discute pas et fais-le. J'y crois pas. Elle va m'embrasser. Du tout. Tu me fais vraiment trop marrer. C'est bon, t'es contente. T'as eu ce que tu voulais, alors va-t'en maintenant. Ben en fait, je sais pas trop. C'est que moi, j'aime bien t'observer. Qu'est-ce que tu racontes? Je sais pas si t'es au courant, mais t'as les paupières qui tremblent. J'ai juste les yeux qui grattent. Me dis pas que tu vas encore pleurer, Senpai. Va-t'en, je te dis. Attends, mais qu'est-ce que tu fais? Arrête, lâche-moi. Ça c'est marrant, je pensais pourtant que t'étais un mec. Parce que t'es faible, t'as pas de force. Je te demande pardon, Senpai. Je t'ai encore taquiné. Non, c'est bon. Y a pas de quoi t'excuser. Vraiment. Tu peux arrêter de pleurer maintenant, Senpai. Je pleure pas. Pas du tout. Jusqu'à aujourd'hui, j'avais jamais pleuré devant quelqu'un. Mais devant elle, c'est la seconde fois. Dessine-moi un peu mieux la prochaine fois. T'auras droit à une belle récompense. Ta récompense, tu peux te la garder. Senpai, 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 Senpai. Pourquoi? Senpai, Senpai. Mais pourquoi il faut qu'on soit sur le même chemin? Senpai. Qu'est-ce que tu veux? En fait, j'ai une faveur à te demander. Je sais bien qu'on se connaît à peine. Du coup, ça va faire un peu bizarre, mais bon. Est-ce que... tu veux bien sortir avec moi? C'est que... c'est un peu... comment dire? C'est un peu soudain... Je déconne! Ça fait mal. Je déconne, poisson d'avril! Arrête ça! J'en peux plus, arrête s'il te plaît! Eh ben, alors comme ça tu m'as prise au sérieux? T'as vraiment cru qu'une fille voudrait de toi comme mec et te demanderait de sortir avec elle? Non, je savais que c'était une blague. Ah, c'est vrai ce mensonge? C'est juste que sur le coup, ça m'a surpris, c'est tout. Et puis, tout ce que tu fais, c'est te moquer de moi. J'ai bien compris que ça t'amusait. Bah ouais, normal. T'es grave repoussant. Désolée. C'est bon. C'est vraiment rien du tout. Et sinon, ça t'arrive de t'énerver des fois? On peut pas franchement dire que j'y suis allée mollo avec toi. C'est vrai. Elle est comme tous les autres. Salut l'artiste. C'est ton nouveau manga? Bah vas-y, montre-le nous. Ayant toujours été un souffre-douleur, j'ai acquis l'attitude adéquate. Je sais comment réagir. Fermer les yeux, me braquer sur moi-même. Et attendre que ça passe. Waouh, il s'est replié comme une tortue. C'est bon, laisse tomber, on se casse. Et ça, c'est la raison pour laquelle j'ai oublié le visage de mes bourreaux. Eh ben alors, dis-moi. T'es quand même pas fâché? Non, pas vrai? Oh,
j'y crois pas. Non, c'est pas possible. Me dis pas que t'es tombé amoureux de moi. Non. Ah, oh non, par pitié, tous mes passages, t'en supplie. Pour l'amour, mais... Mais mettons ça de côté. Mettons ça de côté. Je vais être honnête. Parfois, tu m'énerves. Et je suis vraiment en colère. Mais... En fait, je crois qu'au fond, ça ne me dérange pas vraiment. Comment dire... Je suis pas contre parler avec toi, mademoiselle. Attends, tu m'as vraiment appelée mademoiselle? C'est pour ça que t'es repoussant. Alors, dans ce cas... Dis-moi, comment tu t'appelles? Si tu veux. Naga, du japonais long, et taureau. Taureau? On l'écrit comme ça. Taureau. Maintenant, tu peux m'appeler Nagatoro. Alors, faisons connaissance, Senpai. Aujourd'hui. Hein? De quoi tu parles? Senpai, t'as vu mon soutif, avoue? Pas du tout. Petit menteur, va. Quelle couleur? Je l'ai pas vu, je te dis. C'est